Le Saint-Bernard a passé le sauveteur en montagne qui fait de lui un chien universellement connu. Il fait partie des races les plus vieilles du monde. Il aurait plus de 2000 ans d'existence. Il est réputé pour sa douceur et sa bonhomie. Le réconfort qu'il est susceptible d'apporter à l'homme a fait le tour du monde. Sous des airs de gros nounours et malgré la forme de ses yeux qui lui donne un air triste, le Saint-Bernard a un caractère enjoué, un tempérament farceur et gai. Il s'avère être un compagnon doux, affectueux, doté d'une grande patience avec les enfants. Il peut se révéler un excellent chien de garde par son aspect impressionnant, mais il sait être le chien de toute la famille. Un de ses seuls défauts serait d'être têtu. Pour le faire changer d'avis, il n'y a que la séduction, car il est très proche de son maître et est capable de bien des efforts pour lui faire plaisir. Certains sujets sont dotés d'un fort caractère. Il faut savoir que ce ne sont pas de gros nounours, même si le plus célèbre d'entre eux, Barry, avait un nom faisant référence à l'ours. De par ses origines, si vous êtes un fanatique d'excursions en haute montagne, de grandes promenades en plaine, il saura être votre fidèle compagnon. Le Saint-Bernard n'a jamais été un chien à la mode. Depuis une dizaine d'années, moins de 400 naissances par an sont enregistrées. Mais l'évolution est stable, car il a ses amateurs invétérés. Actuellement en France, nous possédons environ 4000 Saint-Bernard à poil long, pour moins de 200 Saint-Bernard à poil court. Au niveau des naissances, il en est des années normales aux environs de 300 chiots. Plus souvent des poils longs que des poils courts. Alors les personnes qui désirent adopter un Saint-Bernard, eh bien, recherche dans ce chien ses qualités de douceur, son calme, sa tranquillité. Et également, c'est un chien qui a un passé très prestigieux, qui mérite d'être conservé, qui mérite d'être sauvé. Du fait qu'on en a donc très très peu en France, ce n'est vraiment pas le chien de tout le monde, vu sa grande taille. Je conseille aux gens de devenir chez des éleveurs, expérimenter, en tout point de vue, pour acheter un chiot. Parce que chez chaque éleveur, ils choisissent dans une portée le chiot qui leur convient. Et par la même occasion, ils voient les parents, le père et la mère du chiot qu'ils auront choisi. Lorsque des gens sont acquéreurs d'un chiot, il est bien que les gens aient une certaine superficie pour élever un chiot. Parce que le Saint-Bernard, c'est pas comme un caniche, ça ne s'élève pas vraiment en appartement. Hein. Il faut quand même que le chiot il a une certaine superficie pour pouvoir se déléter, se détendre. Lors de son acquisition, votre chiot devra être obligatoirement tatoué et vacciné afin de pouvoir l'identifier. Bon, alors là, je vous remets le carnet de santé. Mm-hmm. Il a donc un rappel à faire dans un mois. Oui. Hein? Et puis après, ce sera tous les ans. Hein? Alors là, vous avez le rappel à faire. Et mm-hmm. À 6 mois, vous lui ferez la race. D'accord. Voilà. Okay. Je vous remets la carte de tatouage. Hein? Mm-hmm. Moi, j'enverrai cette partie-là à la société canine. Vous la recevrez à votre nom, à votre adresse ici et à votre nom. D'accord.
À l'âge adulte, votre chien devra être confirmé par un expert confirmateur pour que la Société Centrale Canine puisse établir son pédigré définitif. D'un caractère docile, le Saint-Bernard a un tempérament calme, mais c'est être vif et vigilant avec des personnes actives. Le Saint-Bernard est un chien remarquablement intelligent. Il est gai, joueur, très proche de son maître et prêt à vivre toutes les situations. Point de vue caractère, donc, sont des chiots très, très affectueux, très calmes, qui ont besoin de présence quand même, hein, qui ont besoin de caresses. Et c'est des chiots qui dorment énormément, hein, au moins 18 heures par jour. Et des chiens à caractère extraordinaire, ce sont vraiment des chiots adorables, qui sont très très dévoués à leur maître. Sinon, le seul défaut du Saint-Bernard, c'est vrai, c'est que c'est tête de lard. C'est un chien rustique qui est très, très résistant à tout, au froid, à la chaleur. Et c'est pas un chien fragile. Faut reconnaître que c'est un caractère un peu cabochard. Hein. Un peu cabochard, mais sans rancune, voyez-vous. Quelque chose qui va pas lui plaire, il va se buter, si vous voulez, quelques minutes, et puis il revient de lui-même, et puis tout content, tout, hein, tout joyeux. Vous lui faites une caresse, et puis allez, c'est terminé, il a oublié. C'est un chien qui est très familial, qui aime bien les caresses, tout ça, mais il aime bien une période tranquille. Le Saint-Bernard, ce n'est pas un chien de travail, c'est un chien de compagnie, hein, qui est très bon de garde, sans être agressif, qui prévient. Hein, et même par sa corpulence, évidemment, ça impressionne. Hein. Un chien, sur ce point de vue-là, vraiment formidable. Le Saint-Bernard, qui est quand même un très gros nounours, a pour principal défaut d'être un petit peu têtu. Mais malgré tout, c'est un chien qui s'insère très bien dans la famille. Ça peut être un très bon compagnon pour les enfants. Évitez de jouer malgré tout, parce qu'un chien est très gros, très puissant. Il ne se rendra pas très compte de sa taille. Mais malgré tout, c'est un compagnon idéal pour la famille. Il existe deux variétés de Saint-Bernard. Le Saint-Bernard à poil court, origine de la race, et le Saint-Bernard à poil long, obtenu après un croisement du Saint-Bernard à poil court et d'un Terre-Neuve à poil long. Tous deux sont de grande taille, avec un corps puissant et musclé. Leur démarche est harmonieuse grâce à l'amplitude de leur foulée. La tête est forte, puissante, à l'expression intelligente. Les chiens au masque foncé ont une expression plus sévère, mais toutefois jamais méchante. Le stop est bien accusé, le museau est court, la ligne du chanfrein est droite. La truffe est large, de couleur noire, avec des narines bien ouvertes. Elle doit toujours être noire, de même que les lèvres. Les yeux sont de taille moyenne, de couleur brun foncé, modérément enfoncé dans les orbites. Ils expriment l'intelligence et la bonté. En règle générale, les paupières inférieures ne se ferment pas complètement. Les oreilles de taille moyenne, larges, sont attachées haut. Le pavillon souple, de forme triangulaire, à l'extrémité arrondie. L'encolure est attachée haut, avec un cou très puissant. Les fanons de gorge et de cou sont modérément développés. Le garrot est bien marqué. La ligne du dos est droite, puis légèrement inclinée à partir de la croupe pour se fondre sensiblement avec l'attache de la queue. Le dos est large, puissant et ferme.
La cage thoracique est modérément descendue. Elle ne doit pas descendre plus bas que le coude. Les épaules sont obliques et larges. Les membres antérieurs sont larges, droits et parallèles, dotés d'une forte ossature et d'une musculature sèche. Les pieds avant sont larges et fortement cambrés. Les membres postérieurs sont bien musclés avec des cuisses puissantes et larges. Les pieds arrière sont larges et cambrés. Les ergots sont tolérés pour autant qu'ils ne gênent pas les mouvements. La tache de la queue est large et forte. La queue est longue et lourde. Le poil du Saint-Bernard, poil court et dense, couché, lisse et ferme, avec un sous-poil abondant. Le poil du Saint-Bernard, poil long et mi-long, plat, voire légèrement ondulé, sans jamais être bouclé ni frisé. Il semblerait que le Saint-Bernard ait été utilisé comme chien de garde au Moyen-Âge. Pendant des siècles, nous perdons sa trace, et ce n'est que vers 1350 que nous le retrouvons sur des armoiries de familles nobles. Dès le milieu du XVIIe siècle, de grands chiens de type montagne apparaissent à l'hospice du Grand Saint-Bernard, fondé au XIe siècle par Bernard de Menton, pour offrir un refuge aux voyageurs et aux pèlerins. Ces chiens étaient destinés à la garde et à la défense. Leur vocation de sauveteur des montagnes est plus tardive. Elle s'affirme peu à peu au début du XIXe siècle. Ces chiens furent dressés par les moines pour aller à la recherche de nombreux pèlerins qui s'égaraient dans la neige et le brouillard en voulant passer le col, frontière entre la Suisse et l'Italie. Le Saint-Bernard, très puissant, leur faisait la trace en tassant la neige et grâce à leur flair découvrait les personnes égarées. Il se fit remarquer par leur prestance et se firent une renommée qui fit le tour du monde. Le légendaire Barien devint ainsi le prototype du chien de sauvetage. Au XIXe siècle, l'élevage du Grand Saint-Bernard subit une crise sérieuse due à une consanguinité trop grande. En 1855, un croisement fut fait avec le Terre-Neuve à poil long qui se rapprochait le plus du Saint-Bernard. Par leur intelligence et leur force, le but désiré fut atteint. Un Bernois, Henri Schumacher, créa le premier élevage de Saint-Bernard hors de l'hospice. Il continua d'améliorer la race et fonda en 1884 le club suisse du Saint-Bernard. Ce n'est qu'en 1862 que la nomination Saint-Bernard fut officiellement reconnue. Le standard fut fixé en 1887 au congrès cynologique de Zurich. Depuis, le Saint-Bernard est considéré comme le chien national suisse. L'éducation du chiot commence dès son arrivée à la maison. Si vous le mettez très jeune en contact avec le monde extérieur, il ne vous posera aucun problème. Les caresses et les compliments sont les bases de toute éducation canine. Tout doit se passer en douceur. Évitez les sanctions qui sont inutiles. Car à ce moment-là, le chiot ne comprendrait rien au comportement humain. Il faut se souvenir que le chien appartient à une espèce différente et que les mots n'ont aucun sens pour lui. Joindre les gestes à la parole pour essayer de faire comprendre quelque chose à son chien, c'est véritablement la meilleure méthode. L'éducation, c'est aussi beaucoup de patience avec de la fermeté et des récompenses. Félicitez votre chien lorsqu'il vous a obéi afin de lui faire comprendre qu'il vous a fait plaisir. Alors le Saint-Bernard, qui est donc un bon gros molosse, eh bien, est un chien à éduquer dans le calme et la tranquillité. C'est un chien avec qui il ne faut pas s'énerver. Il faut être très patient, très calme et très doux. Et il vous le rendra très probablement si vous l'éduquez dans cet esprit. Lorsque votre petit chiot Saint-Bernard arrivera à la maison, il sera préférable déjà de lui faire connaître la maison, le lieu où il va vivre,
et après lui faire connaître l'endroit où il va pouvoir dormir. Le Saint-Bernard étant très propre, il faudra également lui réserver un petit coin au départ pour ses petits besoins. Bien entendu, il sera aussi conseillé de le sortir assez fréquemment pour justement faire ses besoins. C'est le chien très très agréable. Il se fait très vite à son nouveau domicile. Il s'adapte facilement à son environnement. C'est un chien qui est très propre de nature et qui ne... que s'il se trouve enfermé, il demandera à sortir. Et puis alors, autrement, c'est un chien qui ne prend pas de place parce qu'il a sa place et il la conserve. Il ne faut surtout pas donner comme jeu au chiot ce que l'on ne veut pas qu'il touche plus tard. Donc à la rigueur, la meilleure chose, c'est de leur donner des os en peau de buffle qui mordiront, c'est très bon pour leurs dents, c'est plein de calcium. Et plutôt que donner des chaussures, des bouts de papier, des choses comme ça. Quand ils sont petits, leur mettre un collier donc dès leur arrivée, leur apprendre éventuellement à marcher en laisse au début dans le jardin. Et à partir de là, où qu'ils aillent, ils se tiendront tranquilles et se présenteront très bien en concours. Au point de vue éducation, c'est un chien qui se fait vite à marcher au pied et sans élever la voix, il reste à vos pieds. Et en l'habitant petit, il le fera toujours. Et c'est super sur ce point de vue-là. Faire, c'est l'habituer à le promener là où il y a d'autres chiens, là où il y a des hommes, l'emmener en ville, lui faire voir beaucoup de choses pour qu'il ne soit pas craintif. Ça, c'est tout à fait faisable, si on les habitue vraiment dès l'âge de 2-3 mois. Alors pour l'éducation, eh bien, en considérant que la main est faite pour caresser et non pas pour frapper, si votre chien a besoin d'une petite réprimande, il sera préférable de la faire avec un journal, mais très souvent, il vous demandera des caresses qui se feront avec les mains plus qu'avec une main. Et je pense que vous, possesseur de Saint-Bernard, eh bien, vous lasserez plus vite de caresser votre chien que lui de vos caresses. Des Alpes, à la frontière de la Suisse et de l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard, malgré son accès difficile, fut depuis l'Antiquité un des passages les plus fréquentés de ces montagnes. Situé à 2472 mètres d'altitude, c'est le point le plus élevé d'Europe habité toute l'année. Son orientation parallèle à celle des vents qui soufflent continuellement contribue avec l'altitude à en faire un séjour des plus incléments. La température d'hiver descend jusqu'à 30 degrés sous zéro. Pour entrer ou sortir du chenil situé au rez-de-chaussée, les chiens de l'hospice, au nombre d'une douzaine, sont obligés d'emprunter un tunnel creusé dans la neige. Ainsi d'ailleurs que le domestique chargé de leur entretien. Les chiens du Saint-Bernard ont leur histoire et leur légende. Ils aidaient autrefois les religieux à retrouver les voyageurs égarés dans la montagne. Souvent même, ils partaient seuls, portant suspendu à leur cou un tonnelet contenant de l'alcool. Depuis l'installation du téléphone, leur rôle a diminué. On les emploie cependant par temps de brouillard et de tempête. Alors que les religieux même se perdraient infailliblement, les chiens, guidés par leur merveilleux instinct, retrouvent toujours le chemin de l'hospice.
Mais le beau temps même apporte le plus grave danger en montagne, l'avalanche. Les masses de neige accumulées pendant la tempête cèdent soudain, engloutissant tout ce qui se trouve sur leur passage. Aussitôt prévenus d'un accident, les religieux accourent. Pas à pas, ils fouillent l'avalanche avec de longues perches arrondies à l'extrémité. Dans la montagne dangereuse, les voyageurs sont retenus jusqu'à ce que par beau temps, ils puissent repartir. Le soir, ils sont l'objet de soins attentifs, auxquels d'ailleurs ils se prêtent de fort bonne grâce. Vous êtes tenté de présenter votre Saint-Bernard lors d'une exposition canine. À ce moment-là, il faut s'y préparer avec soin. Apprendre certaines règles indispensables au bon déroulement des opérations et habituer le chien à bien se comporter lorsqu'il sera jugé sont nécessaires. Il est tout à fait indispensable que le chien soit détendu et calme pour la présentation. La peur et la nervosité étant considérées comme des défauts. Il devra être habitué à être manipulé, à se laisser faire, le juge devant l'examiner sous toutes les coutures. Il devra savoir aussi évoluer aux trois allures, pas, trot, galop, et avant toute chose, marcher en laisse correctement, sans tirer, sagement, aux côtés de son maître. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté, régionale ou internationale, n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais pour le chien, il atteste de sa conformité aux standards et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. Jusqu'ici cet après-midi, c'est véritablement de très très grands gagnants qui sont là, dans ce ring d'honneur. Alors en ce qui concerne la toilette, le Saint-Bernard demande très très peu d'entretien. Un brossage principalement au moment de la mue en printemps et automne, presque au quotidien, tout au moins 3 à 4 fois par semaine. Et en dehors de ces périodes de mue, si le chien ne s'est pas sali en courant dans les bois, en se roulant dans la boue, eh bien un brossage par mois sera très très suffisant. Pour les peigner, éviter que le poil s'aplotonne derrière les oreilles, que s'ils ne sont pas peignés fréquemment. D'ailleurs, ils sont très, très contents quand on les peigne, tout ça, ça leur fait du bien. Ils sont vraiment heureux. De temps en temps, environ deux fois par mois, il sera conseillé de leur nettoyer les yeux, puisque ces chiens à paupières tombantes ont tendance à toujours un petit peu pleurer, et il sera conseillé de leur nettoyer un petit peu avec de l'eau, éventuellement si l'œil se sent trop irrité, de mettre un petit peu de colire. Il sera également conseillé de nettoyer périodiquement, c'est-à-dire au moins une fois par mois, les oreilles avec un coton imbibé de produits légèrement gras de façon à ce que ça n'assèche pas l'oreille. Et un produit qui, par la même occasion, nettoiera cette oreille.
En ce qui concerne les dents, les caries étant très rares chez le chien, il est quand même conseillé, périodiquement, d'inspecter la dentition et les gencives du chien, qui, normalement, devront être toujours très saines. On ne doit pas laver le chiot Saint-Bernard, ni le laisser mouiller lorsqu'il pleut, tout pendant sa croissance. Parce que c'est un chien qui a un poil de mouton, et puis alors, si l'eau s'imprègne, qu'il ne ressèche pas bien, ça peut lui occasionner des maladies. Lorsqu'il est adulte, ça n'a aucune importance. Il peut mouiller, bien du contraire, c'est parfait. Mais pendant la croissance, non, parce que autrement, on détruit la pellicule qu'il y a sur le cuir, et ça leur est très mauvais. Résumer les principales précautions à prendre pour une chienne en gestation. On aura d'abord pris soin, avant la saillie planifiée, d'effectuer les rappels de vaccination de la chienne afin qu'elle ait l'immunité maximum et qu'elle puisse la transmettre à ses chiots pendant la période de gestation et de lactation ensuite. Lorsque les chiots ont environ 2 mois, ils sont alors débarrassés des anticorps maternels qui ont été transmis pendant la gestation et la lactation. Et il importe donc de les vacciner le plus tôt possible contre les principales maladies infectieuses qui peuvent le menacer, en particulier la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. Après 3 mois, lorsque le chiot a acquis une maturité sur le plan immunitaire, il est important d'effectuer tous les rappels de vaccination ou éventuellement les primo-vaccinations si elles n'ont pas été effectuées avant. Et on peut éventuellement y associer un vaccin leptospirose et rage à partir de 3 mois. Les rappels de vaccination sont bien sûr à effectuer lors de la première année du chiot et ensuite tous les ans ou tous les 2 ans suivant certaines maladies. Mais le vétérinaire, là, donnera tous les conseils nécessaires aux propriétaires. Pour parler des vermifugations chez le chien, la période la plus importante est bien sûr celle avant sevrage, où il faudra vermifuger le chiot 2 à 3 fois successivement, puisque ces parasites lui ont été transmis par la mère, et ensuite 2 à 3 fois par an, suivant les conditions d'environnement et d'alimentation du chien. Il est fréquent que le Saint-Bernard présente un petit défaut sans gravité, un défaut de l'œil, de la paupière en particulier, la paupière inférieure qui peut souffrir d'ectropion, c'est-à-dire de déroulement de la paupière vers l'extérieur, qui laisse apparaître la conjonctive à nu, et celle-ci est alors sensible aux irritations de l'air et des poussières. Il faut être donc vigilant par rapport à ce défaut pour pouvoir nettoyer l'œil si besoin est. Ça, c'est une précaution importante à prendre pour un chien qui a ce défaut. Il faut surveiller en particulier chez le chiot Saint-Bernard en croissance l'apparence éventuelle d'une dysplasie de la hanche, qui est une mauvaise conformation de l'articulation de la hanche pouvant entraîner à terme des boiteries. Pour prévenir ou en tout cas se mettre en garde contre l'apparition éventuelle d'une dysplasie, il faudra faire effectuer entre l'âge de 3 et 6 mois une radio des hanches par le vétérinaire qui confirmera ou infirmera la présence de dysplasie. Dans le cas où il y a en effet une prédisposition génétique à cette maladie, il faut éviter à tout prix la surconsommation par le chiot en période de croissance. Mais il faut bien mentionner que chez le Saint-Bernard, le problème de la dysplasie est moins important d'un point de vue clinique que dans d'autres races. De par ses origines, sa morphologie, le Saint-Bernard est évidemment un chien qui est fait pour la vie à l'extérieur, la vie au grand air, et qui a besoin de marcher, qui a besoin d'un minimum d'exercice pour rester en forme. Il est bien sûr très endurant au froid grâce à son pelage qui est long dans 90% des cas. À l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc 3 catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques.
La seconde concerne les chiens moyens, de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité, qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens, de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Saint-Bernard appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le Saint-Bernard a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. La gestation dure environ 2 mois chez la chienne, de 58 à 63 jours en moyenne. C'est la période d'exigence maximale pour la chienne. C'est donc en tout cas à ce moment-là qu'il faudra lui donner une alimentation riche en protéines, en vitamines, en minéraux, qui convient très bien à la période de la gestation. Durant la lactation, la chienne dépense une quantité d'énergie incroyable. En fait, elle peut produire 2 à 3 fois son propre poids en lait, ce qui demande bien sûr une alimentation qui soit à la hauteur de ses besoins. Dans ces cas-là, on choisira l'aliment le plus énergétique possible, c'est-à-dire le plus riche en matière grasse. La phase de sevrage, quant à elle, va débuter vers la 4e semaine, période à laquelle on va commencer à distribuer aux chiots une bouillie sevrage, ce pendant une durée d'une 15aine de jours. Cette bouillie sevrage, parfaitement équilibrée nutritionnellement, elle va permettre d'assurer une transition progressive entre le lait maternel, qui est un aliment liquide, et l'alimentation que l'on va mettre en œuvre durant la période de croissance. Au mieux, l'utilisation d'un aliment complet sec, parfaitement spécialisé pour la phase de croissance, qui nécessite pour le chiot un apport accru en protéines et en calcium, par exemple. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100 et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiots de grande race, avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Ils risquent de perturber gravement la croissance osseuse. En dépit de sa grande taille, le Saint-Bernard n'a pas des besoins énergétiques trop importants. Il faut toujours se rappeler qu'un chien de 60 kg ne mange pas 6 fois plus qu'un chien de 10 kg. Au contraire, il mange comparativement beaucoup moins. À l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable. De 1 demi-litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation-torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en 2, voire 3 repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. Le Saint-Bernard adulte, malgré ses aspects de gros nounours, ne doit pas être poussé à la surconsommation, ce qui est relativement facile car c'est un chien souvent un petit peu gourmand, un petit peu lymphatique si on ne lui donne pas l'exercice suffisant. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère. Le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. À partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant, contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E.
Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Après tous ces exploits connus et reconnus de tous, le Saint-Bernard est devenu un mythe. Ils ont l'honneur de porter le nom du fondateur de l'hospice Saint-Bernard de Menton. Ils ont le mérite d'être associés à cette œuvre humanitaire dont ont bénéficié des milliers de voyageurs à travers les siècles. Aujourd'hui encore, ils prêtent leur nom à ceux qui se dévouent pour sauver d'autres hommes. Dans l'ensemble, le Saint-Bernard est un chien doux, calme, affectueux, relativement facile à éduquer et qui s'adapte à toutes les situations. Toutefois, avant de porter son choix sur un Saint-Bernard, il faut penser et reconnaître que son gabarit hors du commun n'en font pas un chien d'appartement. De par ses origines et sa morphologie, il est évidemment fait pour la vie en extérieur, la vie au grand air. Il a besoin d'un minimum d'espace pour se détendre et s'épanouir. Ce chien, très résistant au froid, ne demandera pas mieux que de vous suivre dans toutes vos expéditions et saura être votre ami et compagnon fidèle de tous les jours.